Famille, justice, enfance. Bonjour, je m'appelle Michel Amas, je suis avocat. Au barreau de Marseille, je dénonce depuis 5 ans le scandale de l'aide sociale à l'enfance, le scandale de ce que font les juges pour enfants, le scandale de ces gens qui brisent la vie des familles. À Évreux, on a atteint le sommet de ce que j'ai vu depuis 5 ans. Pourtant, je dénonce et j'y vais avec souvent beaucoup de courage et de souffrance. À Évreux, il y a un enfant qui naît. Au bout de quinzaine de jours, on se rend compte qu'il a été frappé ou qu'il a des fractures. L'enfant est placé, ce qui est normal pour mener une enquête. Les services sociaux immédiatement sucrent tous les droits des parents. C'est-à-dire que ces gens ne voient quasiment pas leur enfant. Quasiment jamais. Le temps que ça a duré, c'est 7 ans. 7 années. Pendant 7 années, ils n'ont pas vu leur gamin. À tel point qu'aujourd'hui, le gamin, il dit « je ne veux pas les voir parce qu'ils m'ont frappé ». C'est important de savoir que cet enfant ne peut avoir aucun souvenir de sa vie quand il avait quelques mois. Hein, c'est pas possible. Donc les services sociaux ont fait grandir cet enfant en disant « tu es placé parce que tes parents t'ont frappé ». Hier, en correctionnel à Évreux, le dossier correctionnel a été plaidé par mon confrère Gégère. Il a fait relaxer les parents, c'est-à-dire que la justice française vient de dire que ces gens-là n'ont jamais frappé l'enfant. C'est ça qui vient d'être dit. C'est-à-dire que cet enfant, il est placé depuis 7 ans pour rien. Qu'on a totalement détruit cette famille, parce qu'il y a une petite sœur aussi qui voit plus, qui ne voit pas ses parents, qui ne veut pas les voir parce qu'il a frappé son petit frère. Ces deux enfants ne voient plus leurs parents depuis 7 ans, ne veulent plus les voir parce qu'ils ont grandi en pensant qu'ils avaient été frappés par ces deux parents, qui sont des gens adorables. Aujourd'hui, la justice a été rendue, ces deux enfants ont été placés pour rien. Maintenant, la peur va changer de camp. On va aller chercher les responsabilités. Alors, on n'ira pas faire ce que le droit indique, il faut poursuivre l'État. On s'en fout de poursuivre l'État pour avoir une condamnation dans 5 ans, pour aller à la Cour européenne des droits de l'homme dans 8 ans, et qu'on fasse condamner la France pour traitement malveillant. On ne va pas faire ça. On va poursuivre les trois juges qui se sont succédés personnellement, qui ont renouvelé sans jamais entretenir le lien avec l'enfant. On va poursuivre l'intégralité nommément de tous ces gens des services sociaux qui, encore à l'audience, il y a une semaine, disaient « il ne faut pas de droit de visite parce qu'ils ont frappé l'enfant ». Ces gens-là ont consacré un principe juridique qui n'existe pas en France, le principe de « il n'y a pas de fumée sans feu ». C'est un pur scandale. On va y aller à la hache. On va y aller à la hache. C'est inacceptable. La justice qui a été rendue hier rapporte la preuve du fait que ces gens, on n'aurait jamais dû placer leur enfant. Maintenant, il va falloir rendre des comptes. L'heure de rendre les comptes est venue. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Alors aujourd'hui, nous recevons à nouveau Sylvie Castro. Parce que la semaine dernière, en fait, on n'avait pas eu le temps de tout se dire, n'est-ce pas, Sylvie, hein, oui, c'est passé très vite et autres. Ce qui m'intéresserait aujourd'hui, c'est que vous nous parliez un petit peu de votre activisme, ce que vous avez fait, des réactions que vous avez reçues. Vous m'avez parlé notamment de documents que vous avez établis, que vous avez envoyés à certaines personnes, et surtout notamment d'un chef de service des services sociaux que vous avez rencontré. En fait, c'est le maire de Senonches, hein, qui ne s'en cache pas, qui s'appelle Xavier Nicolas, que j'avais interviewé d'ailleurs, et qui avait constaté que certains placements n'étaient pas justifiés. Et il était vraiment triste de cette situation. Donc, il a décidé d'aller voir les juges. Alors, je ne sais plus si c'était un juge ou deux juges qu'il a vu. En tout cas, il a vu au moins un juge. Et il lui a posé la question, il dit « Mais comment vos décisions sont prises ?» Et la réponse qu'il a eue, c'est la suivante. Écoutez, nous, on se base sur les rapports des services sociaux et on n'a pas le temps d'aller refaire une enquête derrière pour vérifier si ces rapports sont corrects ou pas. Ce qui veut dire, en fait, qu'on arrive à cette conclusion pour lesquelles pas mal de gens, enfin, ont pu constater ça. On arrive à des jugements où les services sociaux sont un peu jugés partis puisque le juge ne fait que pas toujours, mais la plupart du temps, reprendre, se baser sur les rapports des services sociaux, dont c'est aussi le travail. Oui, ça corrobore quasiment tous les témoignages, oui, bien sûr. Voilà. Et du coup, il y a quelque chose là qui fait qu'on n'a pas de contradictoire. Mmh. Et alors, un des problèmes aussi des juges, c'est qu'ils ont un travail monstre, parce qu'ils ont deux volets dans leur activité. Un volet, c'est qu'on leur envoie
des enfants qui ont grandi, eux qui n'ont pas été placés d'ailleurs, par contre, et qui auraient peut-être eu besoin de l'être, et qui sont devenus des brigands, enfin, ou des voleurs, ou des trafiquants, ou je ne sais quoi. Et donc, c'est la police qui les amène au juge, et les juges, ils ne les lâchent pas. Et là, du coup, qui c'est qui va s'en occuper ? C'est les juges pour enfants, pour voir ce qu'on va leur faire faire, où on va les mettre, pour essayer un petit peu de les redresser. Mais on s'est aperçu, moi j'ai pas mal de témoignages d'enfants qui étaient maltraités et qui n'ont pas été placés. On n'a pas eu d'explication, j'ai une crèche qui me l'a dit, j'ai des amis qui ont constaté ça. Une dame aussi qui était au département, d'ailleurs qui a été aussi l'assistante d'Olivier Marleix, elle m'a dit, oui, il y a des signalements et qui sont suivis d'aucun effet, alors que certains autres où il semblerait qu'il n'y ait rien de grave, la machine s'emballe. Oui. On ne comprend pas. Absolument. Voilà. C'est le syndrome du boxon et l'état régalien qui se désagrège et il peut se passer absolument n'importe quoi. Ouais, ça, c'est, on revient sur cette théorie-là. Ouais. Et donc, du coup, alors j'avais appelé donc Olivier Marleix aussi, qui s'est penché aussi sur la question et qui était vraiment... navré que ça se passe comme ça, parce que lui, il dit, quand moi j'étais directeur, on avait plusieurs niveaux pour étudier le cas d'enfants ou d'un ou plusieurs enfants avant de faire un placement. Et il dit, j'ai l'impression que là, ça peut aller très très vite. Mais il a dit aussi qu'avant d'être directeur des services sociaux à cette époque-là, lui-même avait remis des choses en place aussi, parce qu'il s'est peut-être trouvé que les placements n'étaient pas fait avec suffisamment de soins pour ne pas faire d'erreur. Voilà, ça c'est. Et ils me soutiennent tous les deux, hein. C'est dans le 28, ils me soutiennent tous les deux. Déjà, je voudrais revenir un petit peu là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont ce que vous venez de dire. Nous, on avait écrit notre chapitre Protection de l'enfance, on avait commencé par cette phrase-là. Quand une institution ou une autorité prétend prendre le relais des parents en les accusant d'être défaillants, elle se doit d'être irréprochable et au minimum meilleure que ceci. On avait commencé notre documentation par cette phrase-là. On demandait aussi un retour à l'esprit initial de l'ordonnance de 1945. C'est-à-dire que les protections de l'enfance n'interviennent que dans les situations graves et exceptionnelles et non pas dans les présomptions, les doutes, les choses non prouvées, ce qui permettrait déjà d'arrêter que la machine s'emballe. Et puis, on demande aussi de manière très, très, très forte, hein, on demande à ce que les gens qui fassent les enquêtes soient des gens qui connaissent vraiment ce qui se passe en bout de chaîne. Parce qu'aujourd'hui, en début de chaîne, les gens qui viennent vous voir sont très souvent des gens très jeunes, qui ont assez peu d'expérience, qui sont des administratifs, des assistantes sociales, qui n'ont parfois pas eu d'enfants, qui ne savent pas ce que c'est qu'un foyer de l'ASE. Et c'est eux qui vont rédiger une documentation qui ensuite va aller au juge des enfants, qui lui aussi parfois d'ailleurs est en début de carrière, qui parfois n'a jamais éduqué d'enfants. Et on demande à ce que les personnes qui prennent les décisions et qui fassent les enquêtes soient des personnes qui ont une certaine maturité humaine, de vie, d'expérience et une connaissance de la psychologie, du social et qu'ils sachent où ils vont envoyer les enfants afin de, toujours cette balance bénéfice-risque, d'envoyer dans des endroits qui sont forcément imparfaits des enfants qui le nécessitent vraiment. Voilà, donc déjà on se place nous sur ça. Est-ce que vous, dans votre réflexion, vous voyez une contradiction ou des choses supplémentaires à ajouter ? Disons que dans les choses qu'on aimerait voir, c'est placer un enfant, c'est quelque chose de très grave. Oui. C'est des décisions extrêmement importantes. Absolument. Et le fait déjà de pas avoir de contre-pouvoir, quoi. Oui. De défense, qui est pas de vraie défense. Sûr. En plus, on s'aperçoit d'une chose qui est absolument terrifiante, c'est que par exemple, j'ai vu une famille où il y avait quand même pas mal d'enfants. Donc, le placement, au lieu d'aider les familles qui sont un petit peu en difficulté, où il n'y a rien de grave a priori, on va leur enlever les enfants, on va leur enlever les allocations familiales. Ils ont des traites, ils ne peuvent plus rien payer. On les ruine et on leur prend leurs enfants. Il y a quelque chose de terrible. Oui. C'est tout s'effondre. Alors que ce serait peut-être beaucoup plus bénéfique d'assister les familles plutôt que de venir pour tenter de les remplacer.
Exactement. D'ailleurs, Xavier Nicolas, quand je l'avais interviewé, il avait parlé là-dessus. Il dit, normalement, de toute façon, on ne devrait placer les enfants, c'est ce qui est dit même, il y avait un rapport européen qui l'a bien mis en avant, que si vraiment il y a une violence avérée qu'il faut absolument éviter. Mais s'il y a des difficultés d'éducation, on n'a pas, pour quelques problèmes d'éducation, ou pour une fessée, ou pour placer les enfants. Et pour lui, ça lui paraissait complètement aberrant et puis ingérable de plus. Effectivement, il pensait que c'était, et comme nous pensons aussi, il serait beaucoup mieux qu'il y ait des vrais éducateurs, hein, des gens quand même qui sont formés, oui. Qui ont les la IRTS sont quand même les IRTS voilà. sont quand même des bonnes écoles de manière générale. Après, il y a toujours des cas particuliers, mais passer 3 ans d'éduc, déjà quand on y va, c'est un peu un sacerdoce, c'est un vrai travail, il y a une vraie formation. C'est pas la même chose qu'un bénévole et c'est pas la même chose qu'un administratif qui a passé un concours d'attaché dans une préfecture. C'est pas pareil. Et puis, il y a des vocations. Il y a des ouais. C'est comme l'enseignement. Il y a des Bien gens sûr. Qui n'ont pas la vocation et il ne faut pas les encourager. Mais comme apparemment, il manque d'éducateurs, mais on s'est aperçu aussi qu'il y a, comme il n'y a pas de contrôle, c'est comme n'importe quelle administration. Ouais. Il y a de l'argent. D'ailleurs, on a eu des cas qui sont même passés à la télé, qui étaient complètement aberrants. Bien sûr. Qui font que, du coup, on a des abus, des dérives. Et puis, si ils ne sont pas repris, ça se multiplie. Et il y a des copinages, il y a tout ça. On a besoin de règles dans une société et aussi une vérification que ces règles soient observées. Si elles ne le sont pas, ça devient un peu n'importe quoi. Et il y a beaucoup de personnes qui ont quitté les services sociaux parce qu'elles étaient malheureuses, ne trouvant pas un contexte favorable à pratiquer leur métier. Ah oui, j'en ai une qui m'a appelé il y a un an me disant « Je m'en vais, je vais faire décoratrice d'intérieur ». Je pense qu'elle était au bout du bout du bout du bout, mais elle m'a dit ça parce qu'elle ne tenait plus, elle ne supportait plus, quoi, parce que la cuillère à café pour vider l'océan était trop petite. C'est Alors, il y a aussi des personnes qui découvrent des choses, qui veulent avertir l'ASE parce qu'ils se disent c'est normal de leur dire si on voit des choses pas normales pour qu'elles puissent peut-être corriger certaines choses. Mm-hmm. Là, je pense à un sociologue, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, professeur Tarius, dans le sud de la France. Je pense que vous pourriez retrouver le document. Qui avait fait un rapport parce qu'en fait, il faisait avec d'autres collègues, d'autres associés, une étude sur les trafics de drogue, d'armes, etc. Et en faisant leur enquête, ils se sont retrouvés à la sortie des écoles, ils se sont retrouvés en contact avec certaines familles d'accueil, je ne vais pas dire toutes, hein, dans le sud de la France. Et donc, avec les documents qu'ils avaient, ils ont appelé les services sociaux pour dire « Écoutez, on a découvert des choses quand même problématiques, on imagine que vous n'êtes pas au courant. » Et on leur a dit d'aller se mêler de leurs affaires. Mmh. Et quand le professeur Tarius, parce que c'était lui qui avait fait la démarche, il a dit « Bon, je vais aller à la justice, je vais me tourner vers la justice. » On lui a dit « La justice, c'est nous. » Et pour compléter ça, un jour, j'ai fait du blablacar, et je ne savais pas, le monsieur qui offrait ce blablacar, c'était un ancien directeur de foyer. Alors au début, quand j'ai parlé de mon livre, il a eu un petit peu peur, et puis finalement, il a vu que j'étais pas méchante, que je mettais pas tout le monde dans le même sac, mais qu'il y avait quand même des choses très inquiétantes. Et par rapport à cette phrase, il m'a dit « Je l'ai déjà entendu ». Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, ce problème qui n'est pas de contre-pouvoir, le problème aussi de juges qui ont des dossiers à n'en plus pouvoir, donc ils n'ont pas les moyens de gérer ça correctement. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. J'ai trouvé, pas toujours, mais à certains endroits, plus de vérité dans les analyses qui sont faites dans le judiciaire que par les services sociaux. Parce que moi-même, j'ai été dans une histoire où je me suis retrouvée, parce qu'on voulait recueillir une jeune fille qui a été placée abusivement et qui a été dans 2 familles où elle a été maltraitée. La dernière, elle a été abusée sexuellement pendant 10 ans quand même. Et donc, nous, on voulait pouvoir l'aider. Et l'enquête était très sérieusement faite. Malheureusement, ça a été trop long. Et elle est tombée malade à l'ASE, gravement. Et aujourd'hui, elle avait, comment ça s'appelle, quand ça commence par un mal de tête et puis que ça devient grave, aidez-moi, je ne sais plus. Un AVC
C'était pas un AVC, ça se commence souvent par des maux de tête. Enfin bref, ça me reviendra. Elle a été vaccinée à l'ASE pour ça, et quelques mois après, elle est tombée malade de cette maladie, qui fait qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle était donc encore à l'ASE. Et à l'hôpital, ils l'ont mis même en... Ils avaient peur qu'elle fasse une crise d'épilepsie. Ils l'ont mis comment ça s'appelle ? En coma artificiel, je ne sais pas comment on appelle ça. Et ils ne savaient pas si elle allait se réveiller. Nous, on est allés la voir. Elle commençait à peine à bouger quelque chose du corps. Ça a été terrible, terrible, parce que nous, on l'a connue avant. Elle était toute jeune. Et aujourd'hui, elle a gardé un grave handicap. Elle est en fauteuil roulant. Elle a tout eu. Mais par contre, bon, j'ai un peu dérivé parce que son histoire me tient à cœur, on est toujours en contact, mais c'est une justice trop lente peut vraiment amener des dégâts. Oui. Et puis, une justice qui n'est pas équipée pour. Je crois qu'il paraît qu'en Europe, on n'est pas les meilleurs au niveau de la justice. Ah oui, non, mais c'est intéressant parce que ce que vous dites là rejoint trois points de ce qu'on a écrit. Premièrement, protéger de ceux qui nous protègent, rééquilibrer les pouvoirs. Donc on défend la mise en place d'un contre-pouvoir accessible aux citoyens, avec autorité de sanction contre intervenants défaillants, services de personnes physiques. On rappelle que les services sociaux sont là pour aider les familles, et non pas pour... Donc il faut rééquilibrer les pouvoirs, qui est vraiment un droit de contradiction. Deuxièmement, au niveau des budgets de la justice, les budgets de la justice sont très faibles, et notre justice, elle est quand même extrêmement lente. Donc troisième point, il y a un problème de rapidité. On ne peut pas intervenir dans l'enfance auprès d'enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, avec des procédures qui durent 3 ou 4 ans. C'est impossible. On ne peut pas. On ne peut pas, par exemple, nous, parce que l'ADN de l'association, ce sont les parents qui se séparent et qui ont du mal à voir leurs enfants. On ne peut pas, par exemple, lancer une accusation contre un parent pour des violences ou un attouchement, et puis arrêter les liens parentaux durant 2 ans, 3 ans, le temps d'aller voir ce qui s'est passé, parce que l'enfant a une notion de la vérité qui est différente suivant son stade d'évolution. On est un enfant d'âge intermédiaire, ce n'est pas pareil qu'un enfant d'âge de la petite enfance, ce n'est pas pareil qu'un préadolescent, et c'est dramatique de ne pas avoir la réactivité pour s'occuper des enfants en bas âge. Ça, c'est clair et net. Ouais. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc en fait, dans ce que vous nous racontez, vous rejoignez très clairement le constat qu'on a et les propositions que nous avons. C'est intéressant. Je pense que toute personne qui cherche honnêtement la vérité en retrouve les mêmes choses dans beaucoup de domaines. Oui. Après, il faut savoir proposer des solutions. Hein. Il faut. C'est sûr que moi, on a toujours parlé de solutions. Enfin, dans mes livres, j'ai travaillé avec d'autres personnes aussi. J'ai eu des préfaces qui ont été faites par d'autres personnes. Mmh. Et Laetitia Deschamps, je pense qu'elle a fait un travail vraiment très poussé. Et que son livre mériterait vraiment d'être plus mis en avant, parce qu'elle a fait un gros, gros boulot et qu'elle-même, elle est passée par là, aussi bien pour la violence conjugale que les placements. On lui a pris des enfants à la naissance. Enfin, elle a vécu vraiment aussi l'horreur, comme beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup trop, malheureusement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et encore aujourd'hui, j'ai tout le temps des parents qui m'appellent et j'ai une personne... Si vous ne l'avez pas interviewé, qu'il faudrait absolument inviter, c'est Sylvie Moreau, présidente de l'association Termoutis, qui a réussi à avoir une formation qui lui permet de rentrer un peu partout, qui lui donne un statut, sauf que ça s'est arrêté du jour au lendemain. Ah, j'ai vu, c'est la seule qui peut faire l'intermédiaire, la médiatrice par rapport aux services sociaux, voilà, et rentrer dans les juges pour enfants. J'ai vu passer ces vidéos, effectivement. Si vous avez son contact, ça m'intéresse beaucoup. Oui, elle travaille avec de nombreux avocats. Oui, bien sûr. Voilà. Et elle a eu son truc sur un concours de circonstances et ça s'est arrêté après. C'est particulier. Oui, ouais, c'est incroyable, incroyable. Et donc, elle est en train de voir avec une autre... Elle collabore avec quelqu'un qui a travaillé longtemps aux services sociaux et sur justement pour proposer d'abord des formations pour qu'il y ait d'autres personnes comme elle, parce qu'ils se sont aperçus que beaucoup de gens dans les services sociaux ne connaissent pas les lois. Ne connaissent pas même ce qui concerne leur travail, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Enfin,
Et donc, il y a même des juges qui acceptent qu'elle soit là au moment des voilà, parce qu'ils ont un autre aspect de quelqu'un en qui ils ont confiance. Mais ça, c'est un point extrêmement important. C'est qu'il y a aujourd'hui, dans la justice pour enfants, la justice familiale, puis la justice pour enfants, ainsi que dans les services sociaux, un très très grand nombre de personnes bien intentionnées qui souhaitent améliorer leur environnement. Ça, c'est quand même extrêmement important de le dire. Beaucoup de gens savent qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont envie que ça aille mieux, si vous voulez, à la juge des enfants. Sûr, ouais, bien sûr. Moi, j'ai interviewé une psychologue qui a travaillé 10 ans au département. Elle se présentait comme une psychologue révoltée parce qu'elle avait 380 ou 390 dossiers à gérer par mois. Elle était révoltée parce qu'elle ne pouvait pas faire son travail correctement, parce que rompre les liens parentaux d'un enfant une fois que la relation d'attachement s'est effectuée, c'est un travail quasiment journalier durant des années. Qu'elle était révoltée parce qu'elle voyait. Et puis, il y a beaucoup de terrain qui se plaignent énormément des travaux d'enquête qui sont faits en amont. Donc, je reviens encore sur l'importance d'avoir demandé plus de performance et de niveau dans tout ce qui est enquête et prévention. Voilà, c'est vraiment très important, ne pas bâcler les dossiers et les envoyer à l'étape d'après en se disant les autres vont s'en occuper, ils pourront tout gérer alors que c'est le boxon et qu'on n'a pas, les moyens de s'occuper correctement de tous les dossiers qu'on met dans le système. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Vous avez fait un ouvrage sur les réseaux, sur les enfants, sur les abus sexuels et autres. Il y a vraiment des réseaux en France. On appelle la pédocriminalité. Il y a vraiment des choses qui sont organisées, qui sont structurées, qui s'en prennent à nos enfants. Vous avez vraiment des éléments concrets sur ça. Oui. Alors, j'ai évidemment ce témoignage qui est dans mon livre, quand même, qui est vraiment un témoignage direct. Et on a des familles qui ont subi des choses. Bah, je pense à l'affaire, excusez-moi, mais ma mémoire me joue un peu des tours. En tout cas, c'est des gens qui habitent dans le sud et il y a eu un divorce. Et suite à ça, donc, mais j'ai eu d'autres témoignages du même type où une fois qu'il y a le divorce qui est fait, les parents ne peuvent pas contrôler ce que les autres parents font, enfin l'autre parent fait. Et là, il peut y avoir des surprises. Et dans cette famille, ça a été une surprise de haut vol, si je puis dire, puisque je ne vais pas donner trop de détails sur les personnes pour pas que, voilà, il n'y a pas besoin de... Parce que les enfants maintenant sont grands et ils ne souhaitent pas forcément que ça se sache. Et on essaie toujours de protéger les enfants parce qu'il y a un âge où vraiment, pour eux, ils veulent vivre leur vie et ils veulent oublier ce qu'ils ont vécu. Et donc, quand les enfants revenaient de chez le père, ils étaient petits, hein, ça devait être entre 3 et 5 ans, ils étaient 3, eh bien, ils racontaient des attouchements, des actes sexuels faits avec le père, avec un ami du père. Et puis, la maman, avec la grand-mère, a essayé de porter plainte. Et en fait, il n'y a jamais eu d'enquête, jamais eu d'enquête. Et par contre, on les a jugés, ceux qui portaient plainte, pour calomnie. Ils sont allés, alors on les a bien taxés pour qu'ils aient le moins d'argent possible, et puis c'était pas des gens, la grand-mère était une ancienne avocate, le grand-père un économiste, mais voilà, c'est pas des gens qui gagnaient des milliers et des cents. Et du coup, ils les ont bien dépouillés, quoi, financièrement. Avec tous ces jugements qui étaient illégaux. La justice coûte cher. La justice coûte cher, il faut le rappeler. Ça coûte de l'argent. Pour pouvoir condamner quelqu'un par rapport à la calomnie, il faut qu'il y ait une enquête. Donc c'était illégal en plus. Et donc ils sont allés jusqu'à la dernière étape. Donc, et pour la dernière étape, au niveau jugement, il faut des sous. Donc ils ont demandé sur la France entière, parce que tout le monde suivait un peu cette histoire, à Midlisa. Et moi-même, j'ai donné un peu de sous pour qu'ils puissent aller en cassation. Et en cassation, ils ont reconnu que c'était illégal. Bon, on leur a pas rendu leurs enfants pour autant. Et il n'y a pas eu d'enquête non plus. Et je me souviens, moi, avoir été à une audience dans le sud de la France, là où justement on les a accusés de calomnie, où le papa était vu presque comme une victime. Malgré toutes les preuves présentées, moi j'ai des DVD qu'on m'a envoyés, etc. Et finalement, les parents n'ont très peu vu. Le père a déménagé à 800 km, voilà, et les enfants n'ont pas le droit de parler. Ils ont fait comprendre à leurs parents que même quand ils seront majeurs, ils ne pourront pas leur parler.
Et alors, j'ai oublié de dire aussi, ils ont assisté à des choses de l'ordre du meurtre, quoi. Donc, bon, je ne veux pas rentrer plus dans les détails, mais bon, mais des histoires comme ça, j'avais un autre monsieur qui m'avait raconté qu'après le divorce, sa femme faisait du genre de sorcellerie dans des groupes avec son enfant et il ne savait pas comment faire. Et voilà. Quand on commence à se pencher sur la question, on a des éléments. Ouais, et on voit qu'il y a des réseaux parce que quand, par exemple, il y a Sandrine Gachadoa, qui, on l'a tellement agressée, puisqu'on l'a emprisonnée, on l'a mis en comment ça s'appelle, chez les fous, là, dans les hôpitaux psychiatriques, parce qu'elle a dénoncé ce qu'elle a vécu auprès de ses enfants avec la famille du père, parce que ce n'était pas que le père. Et vu comment ils ont été protégés, et comment c'est eux qui ont eu les enfants en finale, parce qu'à un moment donné, elle s'était sauvée pour les protéger. C'est pas des personnes qui sont séparées d'autres personnes. Il y a vraiment des réseaux. Et ça, on le voit régulièrement sur toute la France et au-delà, puisque ça existe en Belgique, en Allemagne, partout, sur toute l'Europe et sans doute ailleurs. Mais ouais, l'Europe, en tout cas, il y a un... Il y a des gens qui profitent effectivement des dysfonctionnements généraux et des choses qui ne marchent pas. Et quand un système ne marche pas, eh bien, quand un système est pervers, eh bien, les pervers en profitent. Effectivement, ça simplifie la tâche des gens qui sont mal intentionnés. Oui, ça c'est et ce sont des gens de pouvoir, donc ils savent sur quel levier appuyer pour se protéger les uns les autres. Des gens qui ont une certaine puissance et qui se soutiennent les uns les autres pour ne pas être jugés et condamnés sur les actes criminels qu'ils répètent. Ouais, je comprends. Et ça pose aussi d'ailleurs le problème des réseaux de pouvoir et des mafias, des gens qui se mettent ensemble pour faire de mauvaises choses. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance.